Bonjour tous les chéris. Alors je vais vous la faire à la John. Putain, on est le 24 décembre et je suis en robe. Ah non, zut, ça marche pas comme ça. Parce que John, lui, c'est en short. Ah zut, ouais, il se met pas en robe quand même. Et puis, il dit de moins en moins de putain. Ouais, tout de suite, beaucoup moins de putain. La journée a passé. Maintenant il fait, ah ben zut, tu vois pas, il est 18h bientôt. John nous a invités à boire une bière chez lui. Le chez lui, voilà, et tout est relatif. On va voir comment ça va se passer. J'y vais un petit peu en repérage. Il m'avait demandé de mettre ses bières au frais. Là, j'ai ouvert, attends, je vais te faire voir. J'ai ouvert un pot d'olives, bien sûr portugaises, bien évidemment. On fait dans le local, hein, bien évidemment. J'ai préparé d'autres choses, mais pour demain. Donc normalement, on doit boire un coup avec des abonnés qui sont sur le site. Parce que les autres abonnés n'étaient pas sur le site, ils sont logés ailleurs. Donc bon, tant pis, il n'y aura que le couple qui reste, mais c'est pas grave, je suis sûre qu'on va passer un bon moment. Je pars en laissant l'ordinateur travailler. J'essaie désespérément de télécharger la vidéo sur le marché, les rencontres des abonnés. Ça rame. Vraiment, le réseau aujourd'hui n'a pas envie de bosser. Alors, je me dirige dans le noir. Christa a tout fermé. Là, je vais passer devant le tableau de bord de chez Jean-Claude. Je sais pas si tu vas voir. Oh, il y a plein de belles choses. Il y a plein de belles choses. Il y a du monde là-bas, au loin. Aussi. Là, je vois que John est dans son fourgon. Il a l'air de parler, donc c'est sûrement trop tôt. Mais c'est pas grave, je vais aller voir. Oui, il est en train de parler, on va pas le déranger. Donc John est en train d'enregistrer. Voyons voir chez Chrissa. Chez Chrissa, nous avons l'alarme naturelle. Voilà. Voilà. Peut-on monter, s'il vous plaît? Bien évidemment. Je vous en prie, chère madame. Coucou. Je me suis habillée un petit peu plus chaudement quand même. Je vois ça et ah, oui. Je vois aussi que je suis super contente d'avoir retrouvé ton manteau noir. Oh oui. Parce que vous ne voulez pas me croire, mais elle nous a fait un caca bien romain parce qu'elle n'a pas trouvé son manteau noir. Je vous jure, celle-là alors. Non, c'est pas vrai. Et pas du tout si ça va. Ça m'a filmé quelque chose. Mais oui, regarde, on fait hop. Donc. Viens, viens, rentre de moi, mon enfant. Attends, je suis de mauvais côté. Ah, oui, t'as ton bon profil. Oh là là. Je sais pas du tout si ça va donner quelque chose. J'espère que t'as pas une femme merde. Quelque part, j'ai pas envie d'avoir un coup de... Oh, ah oui, la lumière. Ah nos, ouais. Nos lumières. Oh, nos lumières. Ah ouais, vous ah, nous faites peur, deux, là, seulement tous les lumières. Deux. J'avais oh. Une grimace. Non, c'est pas Halloween ce soir. Ah hein. Non, mais merde, on est en retard. Bon, voilà. Alors bien sûr, les camping-caristes, jamais, jamais avec les vannes. Jamais. Et encore une fois, merde, je sais pas comment ça se remboîte. Encore une fois, puis c'est l'apéro. C'est foutu. Voilà. C'est l'apéro, voilà. Hein. La bière, tranquille. Ah bah c'est local, hein. Mais de toute façon, rien que la table, on reconnaît que c'est voilà. Le fourgon de la morue. Hein. Bon, il nous manque du monde, là. Il nous manquait ouais, de monde, écrit ouais, ça. Ouais, hein. Là, on devine dans le noir un Edmond caché. Il avait dit même ma veste ce jour. Nous avons les moyens de vous faire parler. Ah là, t'es mieux que tout à l'heure avec John. Hein.
Non, mais tout à l'heure, on aurait dit qu'ils avaient confondu entre Noël et Halloween. Nous avons ici Michel. Domino. Domino. Voilà, fait la vedette. Il faut le voir dans le noir. Ouais, non. Arrêtez la lumière. Hein. Voilà, dans le noir. Admirez. Oui, on admire. Domino voilà. Qui clignote. Ouais. On admire. Ah, ça va, il y a la lumière, au moins, ça va, tu fais pas peur. Ah bon, tu fais pas peur, ah ouais, alors. Parce que tout à l'heure, vraiment, les deux, là... C'est John qui faisait peur, c'est pas mal. Et notre hôte, merci. Ah bah, tu rigoles, tout le plaisir pour moi. Dans ta magnifique demeure. Et c'est vrai qu'on se retrouve toujours devant chez moi. mais pour mon plus grand plaisir. Avec ou sans soleil. Avec ou sans ouais, soleil. Ouais, on aime tellement qu'on en redemande. Ouais. Mais vous allez finir en Renault Trafic, plus, hein. On est bien. Il veut absolument que je filme comme ça. Le clown de service, il est là. Tu me parles. Et on te paye en quoi? Pas en cacahuètes, mais en chips, c'est ça. Hein, ça. On me paye en nature et moi, ça me va. Bon, on a pris l'apéro. C'était sympa. C'était un peu trop nuité. Donc, j'ai arrêté. Tu descends là, Domino. Et maintenant, voilà. Chrissa nous invite chez elle, Domino doit bien se tenir. Sinon il pète la gueule. Et donc on se fait une soirée à l'allemande. Voilà. Bonne carte en fun. Au Portugal. Au Portugal avec un repas. Repas Noël classique berlinoise. Je ne sais pas si ça se fait aussi dans notre région, mais chez nous c'était ça. Pardon. Il y reste encore. Saucisse et salade pomme de terre. Voilà. Donc nous avons un jeune déjà assis. Oui, voilà. Les femmes, les hommes au boulot, les femmes au fourneau, c'était quand même. Oui, ben moi je vais m'asseoir à côté, hein. Puis voilà, je vais me faire servir aussi. Hein. Et puis en plus j'ai faim. J'ai faim. C'est une bonne maladie. Ouais. Allez, pousse ta petite jambe, toi. Allez, c'est ça. Toujours au Tetris, même le Tetris humain. Ah oui, merde, on va faire bouger. Merder le chauffage. Oui, parce qu'en fait, Chrissa n'a pas un chauffage, c'est un spot. ça éclaire. Ouais. Parce que Chrissa va nous danser la danse allemande, la danse berlinoise. Mais après, la question peut être idiote, mais c'est si segmenté que ça en Allemagne. Bon, évidemment, il y a eu l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, mais parce que tu dis c'est un truc berlinois. J'ai pas l'impression que, par exemple, pour Noël en France, ce soit aussi régionalisé. Alors, je sais que nous, on a mangé ça, et je sais que dans tout le nord de l'Allemagne, c'était le repas traditionnel de Noël. Hein? Attention, je précise, le 24 décembre, parce que Noël, en Allemagne, c'est le 24 décembre, c'est pas le 25. Ah ouais. On donne les cadeaux le 24 décembre. On achète le sapin quelques jours avant. On installe le sapin le 24 décembre, l'après-midi, le salon est fermé, on décore le sapin, ce sont les parents qui décorent le sapin, on pose les cadeaux sous le sapin, et à partir de 5-6 heures l'après-midi, on ouvre la porte, d'accord. Le petit Jésus est passé, les cadeaux sont là, et tout le monde a droit de rentrer, ouvrir le cadeau tout de suite, et ensuite on se met à table, on mange les saucisses et la salade de pommes de terre. Ça, c'est dans toute l'Allemagne comme ça. Mmh. C'est le 24 le soir. Voilà. Alors, pour rappel, nous sommes au Portugal. Mais on se fait quand même, j'insiste, un Noël allemand ce soir. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Allez. Oh, c'est génial ça. Encore une fois. Prosit. Fröhliche Weihnachten. Tout pareil. Là, je viens de donner l'idée à Chrissa de mettre une chaise ici, comme ouais, ça elle est super bien là. Ma chaise de jardin, j'allais voilà. Dire. Et comme ça, Domino, il a le canapé en entier. Arrête de te manger le cul, on te filme. C'est bien jolie table. Regarde, on te voit. Regarde la caméra là. Et je signale quand même, on a même droit à des vraies assiettes, ouais. Des vraies fourchettes. Ouais. Ben oui, mais parce que même chez moi... Ben moi, c'est du bambou, hein. Moi, c'est pas de la faïence. Hein. Et Chrissa, c'est la seule d'entre nous à avoir des couverts pour les autres. Voilà. Moi, j'ai des couverts, j'en ai trois, mais alors, d'une qualité plus que médiocre.
Et en plus, les couvertes... Les couverts. Les couverts, je les ai depuis une éternité. Je les ai hérités de mon arrière-grand-mère. Ouais. Je vais voir. T'étais déjà en camping-car. Mais par contre, ici, voilà. On boit... Pas dans des verres, on boit à la bouteille. On boit à la bouteille. Ah ouais, ouais, non, mais t'as pas la bonne étiquette, toi. Pourquoi ? Si, t'as... Ah ouais. Ouais, non, parce que là, ils se demandent. Superbuck ? Non, ils s'éclatent avec les trucs. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Ils s'éclatent avec les étiquettes de Bignoz. Ouais. J'ai pas vu. J'en ai une fois, c'était super blabla. Quand même, on mentionne un tout petit peu ce qui se passe au Portugal, quand même. C'est-à-dire notre alcoolisme ? Non. Non. Bah, qui fait les étiquettes sur les Portugais, non ? Même pas ? Pardon, de quoi ? Mais les étiquettes, qui c'est qui s'éclate avec les étiquettes, les Portugais ? Les Portugais, ouais. Ah, c'est oui, et nous, en les lisant. Non, mais ce soir, on dirait qu'on n'est même pas au Portugal. On parle d'Allemagne, on parle d'Hollandais, on parle de tout, sauf du Portugal. Mais c'est parce que nous sommes cosmopolites. Voilà. Tout voilà. Simplement. C'est trop bien. Bon, allez, je vous laisse parce que j'ai faim, je mange de la salade. Voilà, je filme ma belle assiette. Hein. Porn food. C'est ça que ça s'est dit, c'est le hashtag porn food sur... Voilà, et maintenant, ça y est, c'est mon pote. Et voilà. Je comprends pas ton chien. Moi non plus, une fois. John, il ne veut qu'une saucisse. Oui. Tu veux pas de salade. Mais ça en fait deux déjà. Attends, ah, un genre, je m'offusque. Merci Michel. Merci François. Moi j'ai la mandarine. Moi j'ai menthe intense. Et Monsieur John a pris nougat. Non, on m'a laissé nougat. J'étais la plus rapide. Merci. Génial, j'adore. Merci, merci beaucoup. Merci, merci. Et joyeux Noël. Joyeux Noël à vous deux les amoureux. Ciao, ciao. Voilà le cadeau que j'ai fait pour ma Chrissa. Voilà le cadeau que Chrissa m'a fait. Et nous attendons que John devine le cadeau que Chrissa lui a fait. Moi, j'ai pas fait de cadeau parce qu'il est trop vilain. C'est tout. John est toujours en train de tenter de deviner. Et Chrissa est en train de nous servir les verres. Et là aussi, c'est un cadeau d'abonnés. Cadeau de Edmond et Cathy. On est vraiment gâtés. On est vraiment gâtés, là, ouais. Ah ouais. Absolument. Alors, il y a des mauvaises langues qui disent qu'on est vraiment gâteux. Mais non, en fait, on est vraiment gâtés. Et bientôt, on sera gâteux aussi. Ouais. Ça va pas tarder. Vous arrêtez de faire les nunus, très franchement. Attends, moi, je cherche. Dis-moi que t'es pas ému d'avoir des cadeaux des abonnés. Mais bien évidemment. Je suis toujours ému quand je reçois des cadeaux. Et toi, John, dis-nous que t'es pas ému de recevoir des cadeaux. Ah, moi, oui, ah, oui, carrément. Moi aussi, oui. Mais attends, je suis toujours en train de chercher parce que je voudrais essayer de deviner ce que ça m'a offert. Et bien sûr, moi aussi, je suis très émue qu'on ait des cadeaux comme ça. Vraiment encore merci. Mon téléphone, hop, tu registres comme ça. Ça y est, il a trouvé le cadeau. Le support pour son téléphone. Ouais. Fait en bouchon, bien sûr, du bordelais. Mais bien évidemment. Et maintenant, nous allons trinquer. Oh oui, avec ce champagne rosé. À nous. Ah ben, les jeunes. Joyeux Noël. Et voilà. À nous. Et à la van life. À la van life, à notre vie. Life. Peut-être on voit que ma de main, nomades sauvages. Salut à vous tous. Santé. Oh mais putain, merci. Remercie Cathy et Edmond. Ouh, remercie, c'est oui. Super bon, ouais. Ouais. Ah ouais, merci pour tous vos cadeaux. Salut.